moi, le cheval, c'est vraiment mon compagnon. Moi, j'étais très peu compétiteur. Et puis ensuite, on m'a dit bah, l'orientation, c'est la compétition. Mais me mesurer aux autres ne m'intéressait pas. Heureusement, le fait d'avoir du lien avec le cheval et gagner, c'est complètement compatible, ce qui fait que j'ai quand même gagné des compétitions assez tôt. Et j'ai remarqué que voilà, le dimanche soir, quand on rentrait, c'était toujours une grande fête. Tout le monde nous attendait, on avait gagné, donc c'était vraiment un moment incroyable. Et ce que ça a apporté aux autres me plaisait beaucoup. Le sport, c'est encore un endroit où on peut avoir des belles émotions. Et donc, de procurer ça aux gens, ça m'a vraiment plu. De fil en aiguille, j'ai continué là-dedans et maintenant, je suis devenu un redoutable compétiteur. Bonjour, je m'appelle Karim Lagouag et ceci est ma masterclass. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 8 ans chez mon oncle Pierre de France qui est dans le Loiret. Et j'ai commencé par faire du poney, comme beaucoup, et puis après je passais à cheval. Ensuite j'ai fait un sport-études au Haras du Pin. J'ai tout de suite su que j'allais faire mon métier dans les chevaux, et en plus j'avais la famille, donc évidemment ce qui aide. Et puis j'ai gravi les échelons, j'ai passé mon monitorat, mon instructorat, en parallèle de faire un peu de haut niveau. Et je me suis déclenché un peu plus tard, puisque c'est un sport qu'on fait à maturité quand même. Vers 25 ans, j'ai commencé à avoir des bons classements et je suis allé jusqu'aux Jeux Olympiques grâce à beaucoup d'entraîneurs. Et dans les derniers entraîneurs, c'est Jean-Luc Force qui est mon voisin maintenant qui m'a beaucoup aidé. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des chevaux extraordinaires. Ça m'a permis d'être champion olympique à Rio en 2016. Avec Antebé de Hus, un étalon hanovrien qui est un cheval extraordinaire. Et là, Triton Fontaine à Tokyo, qui m'a permis d'avoir le bronze aussi par équipe, avec mes coéquipiers bien sûr, qui ont eux aussi des chevaux extraordinaires. Mais Triton Fontaine, voilà, que j'ai eu un peu sur le tard, puisqu'il avait déjà 11 ans. Et au bout de 3 ans et demi, on a été assez fusionnel heureusement, parce que normalement, il faut un délai bien plus long. Mais là, en 3 ans et demi, ça a vraiment matché. Et ça a permis d'avoir le bronze à Tokyo. Donc pour moi, ça représente beaucoup de choses. Et quelque chose me dit que derrière, il y a quand même un peu Paris qui nous donne envie beaucoup d'aller à Versailles pour cette Olympiade. Le concours complet, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est vrai que je n'étais pas arrêté sur un sport en particulier. J'aime tous les sports déjà, pour commencer. J'aime bien faire du vélo, j'aime bien courir. J'aime ces sports qui donnent de l'adrénaline et qui me procure des sensations de bien-être, de voler au-dessus des nuages parfois. C'est vrai que quand on est enfant, on pense galoper sur la plage. Ça, moi, j'ai encore ça en tête aujourd'hui. Donc le concours complet, voilà, c'est un beau sport pour ça.